Excusez-moi, mais je suis un peu perdu. Vous faites du rallye? Vous êtes boxeur? Cascadeur? Vous tournez dans un film historique, là? Oui. C'est qui, la vedette du film? Il est un peu connu. C'est pour Arte? Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Si on peut lui parler, hein? Je vous ennuie? Oui, certes. Charme. Tu vois? Il va continuer à faire ça longtemps, lui? Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Monsieur Jacouille, je vous en prie, à la longue, ça vient casse-pied. Oui. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas venir à table? C'est gênant. Il n'est point d'oblio et n'a point de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de belouter nos restes. Tiens, mon fidèle. Grand merci, Seigneur Hubert. Mais là, il lui crase la bonne sur le tapis. Mais c'est dégueulasse. Ça suffit. Venez à table avec nous. Ça le gênerait. Hein, mon Jacouille? Tu ne veux pas venir à table avec nous? Ah non, non, Seigneur Hubert. Eh bien, chez moi, tout le monde mange à table. Venez, ça me coupe l'appétit. Ah non. Que dîner. Obéis, Marot. Ton hôte te l'ordonne. Ça serait plus sympa. Voilà. Ma douce et jolie fiotte. Oui, mon beau cousin. Si tu vis dans ce piètre logis, qui possède notre château dorénavant? Jacques-Henri Jacquard, un garçon assez nouveau riche, un petit peu précieux, la famille de nos anciens métayers. Quoi? C'est un gueux qui possède le château. Je vous en prie, Jean-Pierre aussi t'as un gueux, ça m'empêche pas d'être un mari sympa. Lui a un gueux. Pouah. Je peux plus manger, j'ai plus faim. Non, c'est vrai, là, c'est trop. Ça me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu? Non, j'ai rien entendu. Non mais oh! Il me crache dessus maintenant. Tu le vois peut-être pas, ça. Pardonnez ce maroufle, mais il est si triste d'apprendre qu'un gueux possède mon mirail. Je vois pourquoi. Ma douce et lumineuse fiotte, je n'aurai de cesse de réparer cette infamie. Ce jacquard va vous rendre le château contre-écu sonnant et trébuchant. Et s'il refuse, je les triche. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Qu'on a pendu un beau matin. Qu'on a pendu... avec ses tripes. Où sont les poulardes? J'ai faim. Pardon? Vous allez prendre qui? Jacquard, le gueux. Où sont les veaux, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre? Qu'on y paye à plein ventre pour oublier cette injustice. Il n'y a pas quelques soissons avec de la bonne suave? À parceler une chèvre rôtie, quelques cygnes blancs bien poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Vous avez encore faim? Après ce que vous êtes goinfré?